ce programme de recherche qui est unique en Europe vise des patients atteints de maladie d'Alzheimer. Les enjeux, c'est mieux comprendre les mécanismes de la maladie. J'ai la conviction que d'ici 2 ans, on pourra commencer à avoir des réponses. Ça avance, ça progresse, et c'est bien. Nous sommes donc à l'hôpital Guy de Chauliac en neurologie. Nous travaillons donc sur les maladies neurodégénératives et en particulier la maladie d'Alzheimer. Et depuis plusieurs années, on a des protocoles de recherche qui visent à analyser des nouveaux marqueurs qui puissent expliquer les mécanismes pathologiques de cette maladie, qui puissent expliquer les lésions. Aujourd'hui, il a une ponction lombaire avec des prélèvements toutes les heures. On n'a plus grand-chose à perdre, donc quand on peut rendre service, on le fait. Les grandes étapes, c'est perfuser le patient avec un acide aminé qui est marqué au carbone 13. Et cet acide aminé va s'incorporer dans les protéines. Et le lendemain, on fait le cathéter et on recueille des petites quantités de liquide céphalorachidien et on analyse ces protéines qui ont été marquées. Et donc, on va pouvoir suivre la production de ces protéines dans le temps et la dégradation de ces protéines dans le temps. Dans ce protocole, il y a à la fois une partie pour le patient, c'est-à-dire individuellement, on va analyser chez lui les modifications de ces protéines. Et puis après, il y a une partie qui est pour la recherche de façon plus globale. Et ça permet vraiment d'avoir une piste, d'autres pistes thérapeutiques pour le plus grand nombre. Les prélèvements biologiques qui ont été prélevés chez les patients sont amenés ici au laboratoire. Au laboratoire, en fait, on va les séparer en petits volumes qui s'appellent des alicots. Et ces alicots vont être conservés d'abord au congélateur à moins 80 degrés avant l'analyse. Et donc on va voir combien de peptides à peu près. À partir des mêmes échantillons, on a réussi à identifier plus de 2000 protéines. Donc une fois qu'on les a identifiées, on peut les monitorer au cours de l'incorporation de leucine. Alors le but du jeu pour nous va être en fait de peser les protéines et de en fait comparer au cours du temps si les protéines deviennent de plus en plus lourdes, c'est-à-dire si elles ont utiliser cet acide aminé plus lourd qui a été perfusé chez les patients. Alors le système qu'on utilise dans le cadre de ce projet PROMARA, ce sont des systèmes exceptionnels, ce sont des super balances moléculaires, cela permet donc de peser les protéines pour qu'on puisse les identifier et les discriminer. Et on peut voir jusqu'à plus de 600 protéines à la fois dans un même spectre de masse. Et ça, c'est absolument exceptionnel. Ce sont des technologies d'avant-garde. En comprenant mieux tous ces mécanismes, on va pouvoir avoir un diagnostic plus précoce et plus précis. Et également, ça va donner des nouvelles pistes thérapeutiques, sachant qu'évidemment, là, on est plus sur du moyen ou sur du long terme. On en a au moins deux, on suit au moins deux peptides. Mais de toute façon, on suit au moins deux peptides par protéine à chaque fois. L'analyse des data, le data post-processing, il est énorme. Il faut savoir actuellement que pour suivre une seule protéine, il nous faut à peu près 3 jours de travail, d'ingénierie. Et pour suivre les 600, vous pouvez imaginer, il va nous falloir quelques semaines ou quelques mois de travail pour pouvoir aller au bout de ce projet. D'ici 6 mois, on aura déjà un début de premiers résultats probants sur ces analyses pour que dans les 2 ans, on puisse avoir des nouvelles pistes thérapeutiques pour les patients, des traitements innovants adaptés aux personnes et à l'individu.